On est quel jour aujourd'hui ? Mardi. Mardi, donc aujourd'hui c'est... Ravioli. C'est unboxing. Lundi ravioli. Lundi ravioli, moi je connais voilà. pas. C'est pas les avis non plus. Mardi, c'est unboxing. Unboxing. Et en plus, on parle d'un produit qui nous est cher, parce que c'est une créa Magic Dream. C'est vrai qu'on essaye d'en parler le plus possible pour que vous ayez le maximum d'éléments. Tu fais les bruitages, vous êtes Thomas Pesquet. Je fais le volcan. Je fais la fusée. Ah, le volcan. Ah, oui, j'avais la fusée. Regarde, t'as vu, on voit même que c'est en vernis sélectif. Bah, j'y suis arrivé, mais non, j'y arrive plus. Oui, ouais, voilà. C'est génial. Bah, comme d'habitude, hein, Xavier au packaging qui fait un travail monstrueux. Ouais. Et à l'intérieur, alors là, il faut faire attention parce qu'on est des maîtres pour flasher les explications. Pour ceux qui les cherchent pour Magic Dream, ils sont toujours dans les rabats des boîtes. Ici. Voilà, exactement. Ouais. Et à l'intérieur, vous avez... À l'intérieur, on a un petit papier de soie couleur lave. Alors, dont la couleur peut dépendre, parce qu'on a eu une première batch avec le papier jaune. Donc voilà, vous êtes... si vous avez un papier de soie jaune, il est rare. C'est du collector. C'est du collector. Je fais durer le suspense. Ouais, j'aime bien. En plus, tu fais des bruitages. Hop. J'aurais pas à les mettre au montage, c'est cool. Hop. Même pas que j'en mette. Petit sachet. Dans le petit sachet. Trois choses. Enfin, quatre choses. Quatre choses. Mais trois que trois vous qu'on pouvez peut voir. Vous montrer. C'est ça. Le briquet. Ouais. Qui va servir à faire le tour. Alors là, il y a le briquet. Alors, il y a le briquet truqué plus le gimmick. C'est ça. À fond blanc. À fond blanc. Et c'est d'ailleurs un souhait de la part des créateurs. Et parce que Etna ne sert pas qu'au briquet voilà, à trouer. Ça sert d'autres choses. Mm-hmm. Mais si vous avez si vous achetez dans le commerce un briquet pour faire un change, il y a des choses qui est le fond noir. Donc on vous fournit un petit fond pour que vous pourrez adapter. Ça peut sembler super facilement. Et ça se recolle super facilement. À la place. C'est couvert dans les explications. C'est pas obligé, mais ça peut toujours servir. Ça, c'est si vous voulez mettre le logo. Bic dessus, hop. Sachant que, encore une fois, comme le gimmick d'Etna n'est pas dédié qu'à Etna, certaines personnes pourraient vouloir utiliser Ouais. Et comme on est en France et que vous êtes français. Et que. On est sauvé par le gong. On est sauvé par le gong. On a un click and collect. Mais oui, la boutique est ouverte pour le click and collect si vous voulez. Donc on vous offre justement le briquet que vous n'aurez pas à aller acheter. Exactement. Pour faire le change. Pourquoi est-ce qu'il est offert à part ? C'est parce qu'en fait, on vend à l'international et qu'à l'international, on n'a pas le droit d'exporter des briquets pleins. Pleins, exactement. Donc, on l'offre en France avec le tour. Après, mais il n'y a que vous qui l'avez. Si vous êtes français, si vous n'êtes pas français, exactement. Vous n'avez pas le briquet. Ah, et on s'impatiente, donc je reviens. Oui, et du coup, pour parler du briquet, ça se trouve sur Internet à 1 euro et quelques. Donc, voilà, c'est juste un petit geste de manière à ce que vous ayez tout dans les mains pour pouvoir réaliser les faits. Et je finis cet unboxing tout seul. Je suis très triste. Mais on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau live. Bisous les amis.